Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec le bullet journal de juin et ce mois-ci le thème c'est un mandala. Donc j'ai dessiné un mandala avec les feutres à pointe fine de chez Emma que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Et pour le modèle, j'ai pris un modèle que j'ai trouvé sur internet, je ne l'ai pas inventé, je l'ai très légèrement adapté, mais il reste quand même assez fidèle à la photo que j'ai trouvée. Après, on peut composer soi-même son propre mandala, mais cela va prendre quand même pas mal de temps de réfléchir à quelle forme on veut mettre, à faire quelque chose d'harmonieux. Donc voilà, moi je me suis pas cassé la tête et j'ai pris quelque chose que j'ai trouvé sur internet. Du coup pour le mandala, pas besoin de compétences en dessin particulières puisque ce sont juste des formes géométriques qui sont en cercle concentrique et voilà, on agrandit le cercle au fur et à mesure.
Ensuite, pour la vue mensuelle et les vues hebdo, c'est exactement les mêmes présentations que tous les autres mois précédents, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Pour que ce soit moins long, je n'ai pas reproduit de mandala sur ces pages-là. J'ai utilisé du washi tape dans des tons qui allaient assez bien avec les couleurs des feutres à pointes fines de chez Emma. Donc voilà, il n'y a pas trop de décoration puisque je voulais pas que les pages me prennent trop de temps. Et voilà pour ce bullet journal de juin, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent et que vous voulez voir les prochaines vidéos de bullet journal. Comme d'habitude, tout le matériel utilisé dans cette vidéo sera dans la description de la vidéo. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!